Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous avons une information là qui a un rapport avec Belize. Peut-être qui ça? Moi, je connais un pile diaspora et parfois, il y a besoin de famille au Vénicite et il y a toujours demandé un pile cob raquette qui a dit faut mettre visa ceci. Et je voulais porter précision ça. En fait, on a parlé de Belize qui close avec Mexique. Destination Mounio, c'est Mexique, mais il y a un côté où il y a besoin d'aller, c'est Belize. Et un obélisque pour le Mexique. Maintenant, nous voulons porter une précision là. C'est que il y a un consulat Belize en Haïti. Il fait une déclaration par le public là. Je pense que c'est important pour partager là avec nous. Pour le monde qui a fait enquête. Mais ça, consulat Belize l'a dit. Et il parlait avec l'autorité dans le pays d'Haïti sur base de convention CARICOM. Il dit Haïtien, pas besoin de visa. Et il n'y a pas besoin aucune autorisation spéciale pour y aller à Belize. Non, avis qui sortit dans le consulat Belize en Haïti. En fait, moi, c'est que ça est important pour me répondre. Consulat Belize a sorti un avis pour dire que Haïtien pas besoin de visa. Aucun visa ni autorisation réclamée voyage Haïtien pour aller au Belize. C'est ça que consulat et Belize, Amérique centrale, rappelé. L'organisation diplomatique là, li mette en garde tout le monde. Exigence que yo ta fè yo l'autre monde pour vous baï ça. Donc yo mette nous en garde sous ta un monde k'ap di ou nou konnen pou al Belize, patati patata, ou a besoin visa pa gen ça. Donc, nous voulons rappeler pour tout le monde, ça important, l'ambalo de Belize. Mais que en 2018 nous en 2023, ça a gagné 5 ans de cela. Décision te prend pour que Haïtiens ont gagné droit pour séjourner pour une durée de 6 mois sans visa, avec uniquement passeport dans le pays, aucune absité là. Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbade, Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines sous base de convention organisation pays CARICOM. Bagay ça a été pris en 2018. Il était adopté particulièrement en juillet 2018 et lorsque il a été formulé pendant 29e réunion intersessionnelle dans la conférence chef d'État gouvernement CARICOM 26-27 février dernier. Mais on va nous le préciser, pas courir non, parce que nous même faut nous parler en toute objectivité. Effectivement, et si là vrai que autant de valeurs pays, nous ont dit la guerre, mon cap dit, mal courir la grande valeur pays. La vérité après, en fait tout non ça. Donc ça nous voulait préciser pour vous. C'est vrai que on a décidé, mais pour le moment, et qu'on banne un pays ça, qui pourquoi? De manière effective quitter haïtien ça yo entrer sur visa. Gagne deux pays présentement là qui quitter haïtien entrer visa, c'est Belize et Barbade. Effectivement, yo même yo supprimé obligation visa préalable pour haïtien. Mais l'autre pays, ça a aucune cité là et jusqu'à un moment on a parlé là au besoin visa d'entrée et donc ou ka comprendre peut-être qui ça, c'est l'effet que gagne t'a pas le Bali mais tellement haïtien t'a pas débarquer sur yo donc yo font camper. Maintenant, moi c'est ça pour nous retenir dans samedi là et nous connaissons bon monde qui dans mouvement ça, yo bon monde qui a bay parole c'est là. Encore une fois, c'est pas moi qui dit ou ka aller notre là sorti par consulat Belize en Haïti et une raison yo sorti notre ça, c'est parce que même gens moi m'avoir yo au courant de ça qu'a fait dans la rue là. Yo au courant qu'on bon nèg qu'a coupé coup diaspora 8000 7000 par son ban kochi et ultimement li côté ou pralé c'est Belize a blagué ko yo et puis pour traverser Mexique bon c'est là qui gen raquette là on monde nan bay de trois cob et là au Mexique tout monde connaît encore c'est cob ou bay et yo commande n'importe $1,500 pour monde traverser dans USA. Et bon, on connaît l'arrivée Mexique, tout pas qu'à déplacer, grand pile monde qui pas contre ça. Des bouts de Mexique, ou pas gain, parce que Mexique, chaque petit cafou, il y a bloqué.
Donc premier bon bagage on monde fait les monde arrivé au Mexique c'est aller joindre papier temporaire juste pour capable circuler parce que autrement on pas capable circuler. Donc je pense que c'est important justement pour me partager ça avec avec membres dans la communauté parce que je connais grand pile haïtien vraiment vrai qui perdit en pile comme dans mouvement ça et donc on veut préciser. Je voulais préciser l'autre bagage encore sur quelques visas pour tout le monde. Si je prends un visa, pas bon ici aux États-Unis, bien que actuellement là, nous connaissons, ça n'est le visa touriste, l'application, basically, je ne vais pas non, je te dis en janvier à pour vous, camper, c'est $160 américains. Je parle de visa touriste pour venir pas bon ici aux États-Unis. Visa Canada, parce que c'est faut préciser ça pour les trois mondes, pour qu'on prie, bien entendu, si on a fait pour, on a toujours payé pour toucher pour travailler, mais il est important pour qu'on prie. Et visa Canada, c'est $185 en tout. OK? $100 pour frais de visa même et puis vous ajoutez $85 pour collecte et traitement biométrique. Donc $185, c'est ça qui est visa Canada. Et visa Schengen, ça n'est l'Union européenne. Et visa Schengen avec frais de service, frais de visa inclus, il passe à $80 pour tout le monde 6 à 12 ans. OK? En fait, il passe à $80, mais pour tout le monde, si ça a 12 ans, c'est $40. Donc, il y a des visas Schengen. Il faut qu'on ait, parce que c'est une bonne idée, qui va aller comme nous avons fait ça. Visa Brésil. Brésil, visa humanitaire, c'est $60. Tandis que visa regroupement familial, et c'est $100. Et donc, toute visa Brésil, il est supposé soumettre au centre de réception de demande de visa pour le Brésil. C'est là où il soumettre. Et qui est géré par l'Organisation internationale pour la migration OIM depuis création en 2015. Et donc, demande là, si vous êtes fait dans l'ambassade du Brésil en Haïti, et j'en vous dis, c'est $100. Mexique. Et visa Mexique, et prix visa pour demandeur de visa résidence réunification familiale, visa de résidence temporaire, et $48, non remboursable. Et. Donc, mais dans la République Dominicaine, c'est important. Mes amis, est-ce que nous connaissons tout comme vous avez dit? Parce qu'on peut nous connaître le vrai prix visa République Dominicaine. OK? Parce que je dis, le prix visa République Dominicaine, il varie en fonction de qui agence. Mais selon la résolution des consulats dominicains en 2007, qui est toujours en vigueur, parce que pour le patabaga, il faut remplacer. Il a dit bien, selon la résolution consulat dominicain de 2007, qui est toujours en vigueur, il faut remplacer. Prix un visa touriste ou bien un visa d'affaires, c'est seulement $50 pour résident, entreprise multiple et $60 pour entreprise d'affaires professionnelle. OK? $50. Prix ça, c'est le ministère des Affaires étrangères en République dominicaine. Qui établit $50. Donc, nous avons pour nous connaître, pour connaître prix visa République Dominicaine. Mais nous tout connaître et $50 officiel ça. Dans la pratique, on nous a payé jusqu'à $600 pour joindre, dans le moment où je parle avec vous là, un visa pour la République Dominicaine. Qui c'est à la vérité, un véritable. Aberration. Bon, nous souhaitons que l'information ça soit capable d'utiliser à bon escient, puisque à TAPG, j'ai dit. OK?